Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Brevet des collèges, Nouvelle-Calédonie, session 2017. Exercice 5. Dans cet exercice, toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation. Aurel. Belle pêche! Combien de poissons et de coquillages vas-tu pouvoir vendre au marché? Antoine. En tout, je vais pouvoir vendre au marché 30 poissons et 500 coquillages. Antoine est un pêcheur professionnel. Il veut vendre des paniers contenant des coquillages et des poissons. Il souhaite concevoir le plus grand nombre possible de paniers identiques. Enfin, il voudrait qu'il ne lui reste aucun coquillage et aucun poisson dans son congélateur. Question numéro 1. Combien de paniers au maximum Antoine pourra-t-il concevoir, justifier? Question numéro 2. Quelle sera la composition de chaque panier? Justifie. Exercice 5, donc composition de panier. Nous avons pêché 30 poissons et 500 coquillages et on veut répartir ces 300 poissons et 500 coquillages dans des paniers de même composition. Alors ici, c'est un problème de PGCD, donc on va calculer PGCD de 30 et de 500. Alors ici, 500 est égal donc à 30 fois, donc ici on fait la division euclidienne, 500 divisé par 30, 50 divisé par 30 ça fait 1, il va rester 20, 200 divisé par 30 ça fait 16, ça fait 6, 6 fois 30, 180, il va rester 20, ici 16 plus 20, 30 fois 16 plus 20, donc 500 est égal à 30 fois 16 plus 20. Maintenant 30 égal à 20 fois 1 plus 10. Ici, 20, ça va être égal à 10 fois 2 plus 0. Dernier reste non nul, 10. Donc, PGCD de 30 et de 500, c'est 10. Donc, le nombre de paniers au maximum que Antoine pourra concevoir, eh bien, c'est 10 paniers. Quelle est la composition de chaque panier? Il a pêché 500 coquillages. 500 coquillages, 30 poissons. Donc chaque panier, il y aura. Donc dans chaque panier, il y aura 500 divisé par 10, 50 coquillages. Et 30 divisé par 10, 3 poissons. Donc il y aura 50 coquillages et 3 poissons.